Ja? Bona tarda a tothom, gràcies per ser-hi aquí. Jo seré molt breu, donar les gràcies al senyor Talamoni, com us he comentat abans, és el president de l'Assemblea de Còrsega. Ell ens comentarà el gran interès que tenen al procés català i com ho estan seguint des d'allà. Sabeu que una part important de Còrsega també estan vivint aquest procés d'anar cap a un futur que decideixin per els mateixos, tot això ens ho explicarà. I és un honor per a nosaltres tenir-ho aquí, és una persona de molta rellevància, una persona que ha fet molt pel seu país darrerament i una persona d'un pes europeu important. Senyor Talamoni, gràcies per ser aquí, merci beaucoup. Merci a vous, merci. I passo la paraula a la Rosa Maria perquè s'ha fet una mica tard i el volem escoltar amb ells. Gràcies. Bé, bona tarda a tots, a tothom. Carles, moltes gràcies per la introducció. Cecília, que funcionarà com a traductora literal i directa del senyor Guy Talamoni. I especialment, bienvenue a Tarragona, monsieur Talamoni. Merci pour être avec nous. Nous sommes très contents de rester avec nous. Et je vous l'avais dit avant, mais nous sommes très contents. C'est difficile pour nous que vous acceptez venir ici, mais c'est un orgull pour nous que vous êtes à ce moment à Tarragona. Merci, monsieur. Merci à vous, merci. Farem una introducció i explicarem doncs al senyor Guy Talamoni, Jean Guy Talamoni. Bé, dissabte passat, dia 6 de maig, el president de l'Assemblea de Còrsega i líder de la Còrsega Libera, el partit independentista de l'illa, va fer 57 anys. Són quasi 6 dècades d'una vida plenament lliurada a la causa de la llibertat i la cultura del poble cors. Jean Guy Talamoni és advocat, professor de dret a la Universitat de Corti i membre del Consell de la Llengua i de la Cultura Corsa. S'interessà ben aviat per tenir un bon domini de la llengua corsa, conèixer-ne la literatura i estudiar-ne el repertori popular de locucions i frases fetes. Justament sobre aquest tema específic, va publicar el 2006 el seu primer llibre en català en solitari, Diccionari d'Expressions Corses Comentades. I el mateix any va aparèixer també en la nostra llengua De l'autonomia a l'autodeterminació, escrit en col·laboració amb altres dos autors. De temàtica cultural són les seves obres Diccionari comentat d'expressions corses, Diccionari comentat de proverbis corsos, Antologia bilingüe de la literatura corsa, Literatura i política a Còrsega, Imaginari nacional, Societat i acció pública. Diferents llibres, com veieu, molt relacionats també amb la literatura, perquè ens explicava que ell també és professor de literatura. Vous êtes aussi professeur de la literatura. Enseignant de droit de literatura. Enseignant de la literatura. C'est pour ça que c'est une autre façon de son treball. Són aquests, però, només alguns dels seus llibres, ja que el 2001 havia publicat ja en l'àmbit polític Sé que no som el que som. I 4 anys després, un llibre d'entrevistes amb el periodista Jacques Renuzzi, de nom inequívoc, Libertat. Ara mateix acaba d'aparèixer el seu darrer llibre, Avança, La Corsa que no volong, en una de les més importants editorials de França, on amb un llenguatge molt entenedor i directe, defensa la idea d'una Còrsega independent, mediterrània i europea. Antic conseller municipal a la ciutat de Bastia, al nord de l'illa, Talamoni és el nom polític més sòlid del moviment nacional cors, en nom del qual ha negociat amb governants francesos com Lionel Jospin o Nicolas Sarkozy. Un moviment malauradament poc i mal conegut al nostre país, que ha conegut la lluita armada durant 40 anys,
a través del Front d'Alliberament Nacional de Còrsega. Avui, però, la idea sobiranista s'expressa exclusivament per conductes polítiques, decisió en la qual el pes del nostre convidat d'avui no ha estat menor. Han estat uns anys molt durs, en els quals la violència i la repressió han cohabitat en la quotidianitat i en què ell mateix va ser objecte d'un atemptat i també se li van demanar 3 anys de presó. Jean-Guy Talamoni coneix molt bé Catalunya i ha vingut moltes vegades i té bons i vells amics de molts anys ençà. Ell mateix va ser observador internacional a la nostra diada del dia 9 de novembre. Poc després va promoure a la cambra parlamentària que ara presideix unes jornades de reflexió sobre la situació corsa i la necessitat d'una via política amb la participació de Michel Rocard, exprimer ministre francès, i també de Josep Lluís Carod Rovira, expresident català entre nosaltres. Aprofito l'ocasió per excusar-lo perquè ell doncs, ens ha ajudat molt també a l'hora d'establir contacte amb el senyor Jean-Guy Talamoni i li hauria agradat molt d'estar aquí. J'excuse, monsieur Josep Lluís Carod Rovira, parce que lui aimerait bien de rester avec nous, mais il n'est pas possible parce que il est dans Ibiza. Atent a l'evolució de les societats modernes i astut, molt astut políticament, Talamoni va impulsar un programa de mínims que aconseguí que fos aprovat per l'anterior assemblea, sense cap vot en contra, i pels principals municipis corsos, on es demanava l'amnistia per a la 20ena de presos polítics independentistes, l'oficialitat de la llengua corsa al costat de la francesa, o un estatut de resident amb efectes fiscals i d'accés a la propietat de la terra, entre altres punts. Per a les eleccions dites regionals de l'any passat, des del partit que lidera l'independentista Corsica Libera, apostar per una llista unitària amb els autonomistes, gràcies a la qual avui són majoria i constitueixen l'únic territori de la República Francesa on no governa cap partit francès. Aquest home inquiet, ja el coneixeran, i curiós, aquest intel·lectual apassionat dels llibres que fa de polític, aquest conversador insaciable sobre temes tan diversos com la cultura, la religió, la política, li desitgem el millor per a ell i per al seu poble. Que ben aviat l'Assemblea de Còrsega pugui esdevenir Assemblea Nacional i que el seu partit, Corsica Libera, canviï de nom perquè la seva pàtria sigui ja una nació lliure com ja aconseguí al segle XVIII el seu referent nacional, Pasquale Paoli. Molta sort, amic, molt coratge i endavant. Moltes gràcies. Bé, li cedeixo la paraula, doncs, senyor Guy Talamoni, i farem traducció, anirem a poquet, però és un francès que s'entén perfectament, veuran vostès, eh? Molt bé. C'est à vous, monsieur, quand vous voulez. Bona tarde. Je ne pourrais pas continuer dans votre langue, votre belle langue. Merci aux organisateurs. Merci à l'Assemblée, à Omnium, à l'ensemble des organisateurs. Merci à vous d'être si nombreux pour entendre parler de notre petit pays, notre petite île. Mais nous avons des relations étroites depuis des décennies avec la Catalogne. Dans l'histoire, il y a eu des relations depuis très très longtemps. Mais dans, je dirais, la période moderne, cela fait des dizaines d'années que nous nous rencontrons ici, en Corse également, et que nous marchons main dans la main, pas au même rythme, puisque vous avez beaucoup d'avance sur nous, sur le plan politique, mais cela fait des dizaines d'années que nous travaillons ensemble, et donc ce sont des relations politiques, mais ce sont aussi des relations d'amitié entre le peuple corse et le peuple catalan.
Bé, donem les gràcies a tots els assistents. Fa referència a les relacions estretes que ha mantingut des de fa, ja històricament i des de fa molts anys, la Còrsega amb Catalunya. Diu que el recorregut de, amb dues es va una mica la mà d'una amb l'altra a diferents ritmes, perquè reconeix que Catalunya va a un ritme més ràpid que Còrsega, i bé, c'est un peu ça. Alors, bon, pour rappeler un petit rappel historique qui est toujours quand même nécessaire, donc la Corse a eu une histoire assez tumultueuse, puisqu'elle a été souvent occupée donc par des puissances étrangères, et les deux dernières en date sont les Génois, donc qui se sont installés, je dirais, juridiquement de manière ferme à partir du XIVe siècle, mais ils étaient présents avant. Et puis, après les Génois, ça a quand même duré 4 siècles, hein, donc jusqu'au XVIIIe siècle. Les Corses ont secoué la domination génoise à partir de 1729. C'est ce qu'on appelle la Révolution de Corse. Dans une deuxième phase de la Révolution, à partir de 1755, la Corse a été indépendante et Pasquale Paoli a été donc le chef d'État de la Corse indépendante. Et en 1768, la France a jeté son dévolu sur la Corse. C'était la première puissance militaire du monde et elle a attaqué un petit peuple qui vivait dans l'indépendance, et après une guerre qui a été sanglante, la Corse donc a été conquise militairement en 1769. Donc depuis, les relations avec la France ont été, inégales, mais souvent agitées. Voilà un petit peu un rappel bref, mais quand même qui donne une idée de la chronologie. Bé, fa una revisió històrica. Ens explica que la història de Còrsega ha sigut tumultuosa a nivell de conquistes. En primer lloc, el 1729 va estar conquerida pels genoveses durant 4 segles fins al 18. Llavors es va produir la Revolució dels Corsos en 1755. Llavors Còrsega va esdevenir un estat independent, un país independent, gràcies a Pasquale Paoli. Malauradament, el 1768 va ser França qui va invadir la illa. Llavors els que estaven ja tranquil·lament, doncs el 1769 va conquerir Còrsega. Des de llavors les relacions entre Còrsega i França han estat molt desiguals. Segurament hi ha hagut períodes de més pau, períodes de més lluita, però ell ha definit les relacions com a agitades, si més no. Merci. Alors, je partirai quand même de cette période du XVIIIe siècle qui a été la période d'indépendance de la Corse, parce que de 1755 à 1769, les Corses ont construit une république. À l'époque où la France était une monarchie de droit divin, les Corses donc construisent une république et élaborent un véritable républicanisme avec ses spécificités. Sí, diu que en el període de la independència Còrsega, entre 1755 i 1769, Còrsega ha establert una república, mentre que França estava sometida a una monarquia absoluta. Donc c'est effectivement une période qui reste très chère, dans le cœur des Corses. C'est une période qui occupe une place évidemment privilégiée. Et
C'est aussi une période où la pensée politique ou la tradition politique corse s'est cristallisée. Et on a l'habitude quand même de penser que la Révolution française a structuré la pensée politique française jusqu'à nos jours. La Révolution américaine a également structuré la pensée politique américaine jusqu'à nos jours. Nous avons fait d'ailleurs un colloque récemment avec des collègues américains sur ces questions. La Corse, qui est un petit pays, modestement, a aussi une révolution au siècle des Lumières, et cette révolution a structuré la pensée politique corse jusqu'à nos jours également. Molt bé. Aquest període de la independència és un període que ha quedat en el cor dels corsos com a un període molt estimat, és d'entendre. Té un lloc privilegiat. Llavors, fa una comparació amb les revolucions franceses i la revolució americana, dient que aquestes revolucions pensem que han cristal·litzat el sentit republicà d'aquests països, però que a Còrsega també va passar el mateix. La revolució, encara que va durar molt poc temps, també va estructurar el pensament una mica dels corsos en aquest sentit. Et du fait que nous avons eu en fait deux révolutions avec des pensées politiques différentes, aujourd'hui nous avons une manière d'appréhender la politique qui est souvent très très différente de celle qui a cours à Paris, et d'où un certain nombre sans doute de désaccords qui existent, outre le fait bien sûr que la Corse est un pays et qu'elle n'est pas une entité administrative française. Et donc il nous faut à la fois arriver à faire comprendre à Paris que nous sommes une nation et non pas une région française, et il nous faut en même temps que nous discutions avec des responsables parisiens qui n'ont pas la même structure de pensée politique que nous. Donc tout ça est souvent très compliqué. Sí, crec que això ho heu entès prou bé, no? Molt bé, diu que, clar, estableix la diferència d'entendre la política des del punt de vista francès i més concretament de París i el punt de vista corso. Volen fer entendre als francesos, al governament francès, que són un país i no una entitat administrativa, que no són una nació. Perdó, que no és una regió sinó una nació, i llavors per això s'ha de fer discussions i debats i estan en aquest punt. Alors, donc il y a eu, c'est vrai, depuis la conquête militaire et l'annexion par les armes, hein, donc de la Corse par la France, il y a eu donc des périodes qui ont été plus ou moins troubles, plus ou moins agitées. Pendant le 19e siècle, la France s'est installée en Corse. Alors elle s'est installée évidemment sur le plan administratif, mais sur le plan linguistique, puisque notre langue est une langue italo-romane, hein, une langue qui faisait partie évidemment de l'ère italique sur le plan linguistique. Notre langue a dû donc perdre du terrain au bénéfice de la langue française, et cela a été imposé par l'administration, par l'éducation nationale française. Donc le 19e, ça a été la période de francisation, je dirais, déterminée de la Corse, à la fois sur le plan linguistique, culturel, et sur le plan des mœurs, qui étaient de la culture, qui est des cultures qui étaient très différentes. Donc il y a eu cette introduction au 19e siècle, donc, de la France sur ses différents plans linguistiques, culturels, administratifs, politiques, et cela évidemment a été un traumatisme, hein, pour une société qui était effectivement très différente de la société française. Bé, explica que al segle XIX és quan realment França ha entrat en tot el que és doncs una cultura diferent, des del punt de vista lingüístic, cultural i de costums, no? Llavors França s'ha imposat en aquest segle a la cultura, la llengua i els costums corsos. I això ha sigut doncs una etapa
com podeu entendre, molt dura, i ha sigut una etapa traumàtica. Alors, au XXe siècle, les Corses ont été sollicités, évidemment, pour participer aux deux guerres mondiales. Bon, je passe sur celle de 70, puisque les Corses ont évidemment fait aussi la guerre de 70 contre la Prusse. Mais il y a eu ces deux guerres qui ont été pour la Corse un véritable traumatisme, en particulier la première, ce qu'on appelle la Grande Guerre de 14-18, parce qu'il y a eu une saignée humaine considérable. La Corse ne s'est jamais relevée sur le plan démographique de la saignée de 14-18. Et puis ensuite, il y a eu effectivement une participation des Corses à la Seconde Guerre mondiale. Et la Corse a été le premier territoire libéré du joug fasciste. Ce sont effectivement deux moments très forts au XXe siècle, à la fois en termes de sacrifice consenti par la Corse, mais également en termes de résistance, et c'est vrai, de valeur guerrière, hein, donc, qui a été évidemment reconnue, je dirais, de façon unanime par tous ceux qui connaissent l'histoire de la Corse. Bé, finalment, entrem al segle XX. Explica que Còrsega va participar sota demanda francesa a les dues guerres mundials. La primera va ser la més dura. Parla de sangria humana i diu que mai no es va recuperar demogràficament d'aquestes pèrdues humanes. La Segona Guerra també va participar-hi i diu que va ser el primer territori alliberat del iug feixista. I llavors posa en relleu el valor guerrer, no, de lluita del territori. De resistència. Molt bé. Sí, de resistència. Donc voilà, c'est une histoire, je dirais, qui est troublée, qui est agitée, qui a donné la possibilité aux Corses de donner toute la mesure de leur valeur de peuple, hein, de leur capacité de résistance. Mais c'est une histoire qui a laissé des traces extrêmement profondes, à la fois dans notre culture, dans notre imaginaire, mais également dans notre chair. Et c'est vrai que notre démographie aujourd'hui, qui est relativement faible, hein, nous sommes en Corse 320-330 000 habitants, dont une grande partie aujourd'hui n'est pas corse, n'a pas vocation à rester. Il y a beaucoup de fonctionnaires de passage, de fonctionnaires français, de populations étrangères à la Corse qui n'ont pas l'intention de demeurer, mais qui évidemment font partie du corps électoral. Bon, donc il y a une situation aujourd'hui humaine, une situation de peuple qui témoigne, je dirais, du caractère agité de notre histoire, donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale que j'évoquais à l'instant. Hi ha dues paraules que repeteixen pel que fa a l'esperit de l'habitant corso, que són agitat i resistent, no? Doncs és una mica l'esperit d'aquest poble. Diu que demogràficament no són uns 330 000 habitants, i també que hi ha molta gent que està de pas, no? Hi ha molts funcionaris francesos que no tenen intenció de quedar-se allà. Llavors, clar, tota aquesta gent també entra en el que són eleccions i així. És una situació, doncs, no sé, complicada. Une situation effectivement très compliquée. J'en viens à la période moderne. Et dans les années 60, donc, la Corse était dans une situation extrêmement difficile sur le plan culturel. La langue corse avait reculé sous les coups de boutoir de l'éducation nationale française qui avait cherché à la déraciner complètement. Bon, la langue, je ne vais pas le dire à des Catalans, ce n'est pas seulement un moyen de communication. La langue, elle porte les valeurs d'une société. Donc, c'était ces valeurs
elle-même qui était menacée, le peuple corse en tant que tel était menacé de disparition certaine. La situation dans les années 60, c'est cela sur le plan culturel. Sur le plan économique, c'est la Corse vouée au tout-tourisme, avec des projets qui consistaient à multiplier le nombre de milliers de lits sur le littoral, abandonner l'intérieur. Enfin, ce que nous préparait la France dans les années 60, c'était notre disparition en tant que peuple, c'était une économie déformée au service d'intérêts étrangers. En fait, c'était simplement faire disparaître ce que nous sommes collectivement. Els anys 60 van ser com els més difícils culturalment, ja que la imposició de la llengua francesa va ocasionar que la llengua corsa doncs, quedés en un pla doncs, soterrat. Llavors, això que fa que la llengua representa els valors i els valors estan amenaçats. Llavors es troba que és un poble amenaçat de desaparició. Llavors l'economia igualment estava doncs els francesos van fer que la illa es convertís en un lloc turístic, van desenvolupar sobretot el que eren la part del litoral, la part central doncs es va deixar com abandonada. Llavors era simplement un territori turístic sense una llengua, sense uns valors. Alors donc il y a un certain nombre de Corses, des jeunes Corses en général, qui ont refusé la perspective de la disparition du peuple corse, qui s'y sont opposés. Et à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, une nouvelle forme de résistance va s'organiser, la résistance face aux forces qui voulaient faire disparaître le peuple corse. Molt bé, llavors, als anys 70 apareix una nova generació de joves corsos amb ganes de doncs, d'acabar amb aquesta situació de dependència de França. I llavors es crea una nova resistència per fer front a les imposicions franceses. Alors, évidemment, cela s'est manifesté sur plusieurs plans. Hein. Donc, effectivement, un renouveau linguistique, un renouveau culturel, la multiplication des groupes culturels, évidemment, une littérature corse, de langue corse, un théâtre de langue corse, bien sûr, et puis aussi une démarche de fond pour faire comprendre aux Corses que leur langue avait de la valeur et que ça n'était pas quelque chose d'inférieur au niveau linguistique. Hein. Je crois que les sociolinguistes catalans avec lesquels nous travaillons aiment utiliser l'expression auto-odi, hein, la haine de soi. Hein. C'est évidemment ce que la puissance dominante culturellement veut imposer au peuple qui est dominé. Et en Corse comme ailleurs, on avait fait croire aux Corses que leur langue et leur culture n'avaient pas de valeur. Alors il a fallu effectivement que ceux qui étaient le plus conscients arrivent à faire partager à l'ensemble du peuple cette idée. C'est que ce que nous représentions collectivement, avec notre langue, avec notre culture, avec notre manière de participer au monde, que tout cela avait de la valeur, que nous étions un peuple et non pas une simple circonscription administrative française qui parlait un patois. Doncs als 70, com havíem dit abans, hi ha una renovació de tot el que és cultural, es creen grups culturals, es comença a escriure literatura en la llengua, teatre en la llengua, i llavors el que hi ha aquest grup una mica que va al capdavant de tot, que és el que intenta fer veure als altres que són un poble amb valors i que no han d'estar per sota de ningú. És a dir, el que fan és fer reconèixer el valor del poble que havia estat quedat doncs, soterrat per les imposicions dels francesos, sobretot el valor del poble, és una mica. Alors, bien entendu, comme cela ne pouvait pas suffire
Bien sûr, pour faire valoir nos droits, parce que c'est vrai que nous étions face à des forces qui étaient extrêmement déterminées, les forces de Paris, mais avec leurs relais locaux, c'est-à-dire des Corses qui étaient des chefs de clans, hein, on dirait des chefs de tribus pratiquement, qui maîtrisaient l'électorat, qui étaient couverts par Paris de manière systématique, qui fraudaient aux élections, qui détournaient l'argent public, mais à qui Paris pardonnait tout, parce qu'ils affirmaient tous les jours leur attachement à la République française et au drapeau bleu, blanc, rouge. Alors ils avaient le droit de tout faire. Clar, diu que la força de París i els francesos en Còrsega doncs, també està representada per polítics corsos doncs, que són seguidors dels francesos. Llavors, aquests polítics que estaven al capdavant de la política doncs, defraudaven econòmicament, defraudaven i manipulaven el resultat de les eleccions, defraudaven els diners públics i... Et donc il a fallu les combattre. Et il a fallu combattre à la fois les forces parisiennes et, c'est vrai, certains Corses qui en étaient complices et qui avaient un intérêt direct et matériel à en être complices. Et c'est là que nous nous sommes organisés à la moitié des années 70 et tout particulièrement en 1976 avec la création du Front de Libération Nationale de la Corse. Llavors, per lluitar contra aquests corsos que estaven, doncs, eren com una repetició dels francesos i estaven estafant el país, en 1976 es va crear el Front de Liberació Nacional de Còrsega. Alors, ça a été effectivement un choix difficile que celui de la clandestinité, de la lutte armée, mais compte tenu des rapports de force en présence, compte tenu de la puissance de la France, compte tenu de la puissance qu'exerçaient les relais de la France en Corse, compte tenu de l'injustice que nous rencontrions tous les jours, compte tenu des perspectives de disparition de notre peuple à court terme, il a fallu se résoudre à utiliser des moyens, des moyens qui sont difficiles et à consentir de nombreux sacrifices. Mais ça a été un tournant dans l'histoire de la Corse et se sont ouverts à ce moment-là quatre décennies de conflits avec une dimension également de conflits armés. Molt bé, llavors, per ells, per aquest partit, el Front de Liberació ha sigut una elecció difícil, ja que han hagut de sobreviure, de treballar en la clandestinitat amb la lluita armada, però diu que justifica la lluita en contra d'aquestes injustícies que el poble estava patint. Diu que ha sigut doncs, uns quatre decennis de sacrificis que han hagut de lluitar amb mitjans difícils, però que era necessari. Et donc ça a duré 40 ans. Ça a duré 40 ans de 1976 jusqu'à 2014 lorsque le FLNC a décidé lui-même donc unilatéralement sa sortie de la clandestinité. Doncs la lluita ha durat 40 anys fins al 2014 fins que van decidir doncs sortir de la clandestinitat. Alors pendant ces 40 années, il y a eu effectivement plusieurs formes de lutte. Il y a eu une lutte clandestine, armée. Il y a eu une lutte publique à travers des organisations qui se présentaient aux élections et qui soutenaient également, qui avaient une solidarité avec le FLNC. Organisation qui a changé souvent de nom parce que nous avons été souvent dissous par décision du gouvernement français. Donc nous nous sommes appelés la CCN, la Cunculta, le MCA, Corsica Nazionale et puis Corsica Libera aujourd'hui. Donc c'est le même courant
qui a été obligé de changer de nom à plusieurs reprises du fait de, évidemment, des persécutions judiciaires qui étaient menées par Paris. Et puis il y a eu également un troisième niveau de lutte qui était la lutte sociale, la lutte syndicale, avec la création du syndicat des travailleurs corses, le STC. Mm-hmm. Molt bé. Diu que la lluita ha tingut diferents aspectes. Doncs, hi ha hagut una lluita clandestina armada, hi ha hagut una lluita pública a través dels partits polítics que s'han anat presentant a les eleccions, que han estat dissolts moltes vegades i han anat canviant de nom. Doncs es dissolvien i tornaven a aparèixer amb un altre nom, fins que actualment és Còrsica Lidera, Libera, perdó. Sí. Doncs han patit persecucions judicials i que també hi ha hagut una tercera, un tercer tipus de lluita, és la lluita sindical a través del sindicat que, no, que els correspon. Alors, pendant ces 40 ans, donc, il y a eu ces trois volets, donc la lutte populaire de masse, syndicale, sociale, la lutte politique et institutionnelle, et puis la lutte armée. Donc, le bilan de ces 40 années, c'est un bilan qui est lourd en sacrifices, puisque nous avons eu des centaines d'arrestations, des années de prison qui ont été distribuées de manière extrêmement généreuse. Nous avons d'ailleurs toujours aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des prisonniers et même des recherchés. Donc des sacrifices extrêmement lourds sur le plan de la liberté, mais aussi sur le plan de la vie, puisque nous avons également eu de nombreux morts. Donc 40 années qui ont été extrêmement lourdes pour notre mouvement, mais qui ont permis à un moment donné, d'une part, de faire en sorte que la prise de conscience des Corses dans leur ensemble ait lieu. Et c'est vrai que 40 ans plus tard, tous les Corses sont conscients aujourd'hui, ou à quelques exceptions près, de l'importance de sauver le peuple corse, de sauver sa langue, de sauver sa culture. Et ça, ça fait partie véritablement des choses qui sont aujourd'hui largement consensuelles, alors qu'il y a 40 ans, les Corses croyaient que ce qui était à eux n'avait pas de valeur. Donc ça, c'est quand même un progrès essentiel qui a été fait en 40 ans. Bé, com a resultat de tota aquesta lluita, diu que ha sigut un sacrifici molt pesat, molt dur, pel que fa a la llibertat, ja que han hagut de centenars de persones que han estat arrestades, moltes persones que han anat a la presó, que encara hi són actualment, també hi han hagut morts, però diu que el resultat ha sigut molt positiu perquè actualment gairebé tots els corsos han pres consciència de que el poble cors, doncs, té un valor que és el que fa 40 anys no tenien clar, no ho pensaven. Actualment saben que són un poble, que tenen un valor, que tenen una cultura, que tenen una llengua i que l'han de defensar. De la même manière, pendant cette période, les Corses ont été libérés du poids de ces chefs de clan qui les faisaient voter comme ils voulaient, souvent, simplement parce qu'ils les tenaient dans des réseaux à travers le service rendu, à travers les pressions de toute nature. Donc les Corses, de manière générale, ont commencé à voter librement, donc au bout de quelques décennies. Doncs aquests 40 anys també han servit perquè els corsos se sentin alliberats per votar a qui vulguin, perquè fins ara, doncs, han estat pressionats pels clans, doncs, que feia una mica el que deia París, i no tenien aquesta llibertat de votar. Actualment ja la tenen i saben a qui han de votar. Dans la même période, nous avons protégé notre terre et en particulier notre littoral qui avait vocation dans l'esprit de Paris à être bétonné. Hein. L'exemple que prenait un certain nombre de promoteurs, c'était les Baléares, que vous connaissez bien. Et c'était le modèle de développement que l'on voulait pour la Corse. Et nous l'avons refusé. Et nous l'avons refusé et nous l'avons empêché. Et nous l'avons empêché. Et donc aujourd'hui, et cela fait aussi partie du bilan positif de cette lutte de 40 ans, c'est que notre patrimoine naturel a été largement préservé.
També han aconseguit protegir la terra, protegir el litoral, que com hem dit abans estava pensada pel turisme i posa fa la comparativa amb les Balears, no? El que han aconseguit ha sigut preservar aquest litoral i fer el que ells volien i no el que els francesos havien volgut fer. Donc voilà les progrès qui ont été faits. Alors ces progrès ont été intégrés par les Corses comme des avancées du mouvement nationaliste corse. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, nos idées ont pénétré en profondeur la société corse, au point de contraindre, y compris les élus traditionnels, c'est-à-dire les élus attachés à des partis parisiens, eh bien, même ces élus ont été contraints d'avancer vers nos idées et de faire voter, même par l'Assemblée de Corse, avant que nous ne gagnions les élections, faire voter par l'Assemblée de Corse des idées qui sont celles des nationalistes. L'officialité de la langue, la protection de notre patrimoine foncier, de notre terre, la libération et l'amnistie des prisonniers et des recherchés. Tout ça a été voté avant même que nous ne prenions le pouvoir. Diu que abans que el seu partit prengués el poder, polítics que pertanyien una mica a la vessant francesa també han estat obligats a avançar cap a les idees que ells havien tingut i abans d'estar en el poder ells doncs van votar l'oficialitat de la llengua, doncs la preservació de la terra, tal com hem dit abans, i l'amnistia per la gent que encara, o els polítics que encara quedaven a la presó. Donc, en 1914, le FLNC devait tirer les enseignements de cette évolution de la situation, évolution radicale, parce que l'Assemblée de Corse elle-même, qui n'était pas encore dirigée par des nationalistes, se ranger derrière toutes les positions nationalistes. Ça voulait dire que nos idées avaient tellement pénétré la société corse que même la classe politique qui était au pouvoir était obligée de venir sur nos points de revendication. Donc le FLNC a véritablement tiré les enseignements de cette situation nouvelle et a décidé sa sortie de la clandestinité pour ouvrir une nouvelle phase de l'histoire de la Corse. Bé, llavors el Partit de Liberació va decidir el 2014 sortir de la clandestinitat, ja que d'una certa manera havien fet possible que tots els polítics quedessin impregnats de les idees de liberació del poble corso. Donc, dans les mois qui ont suivi cette décision du FLNC, les nationalistes ont pu opérer la jonction de leurs deux courants historiques, c'est-à-dire le courant d'un côté indépendantiste qui soutenait la clandestinité, celui dont je fais partie personnellement, et le courant autonomiste qui ne soutenait pas la clandestinité. À partir du moment où le FLNC a pris cette décision, il y a eu un rapprochement entre les deux courants et il y a eu un accord qui a été scellé pour les élections de décembre 2015. Llavors parla que hi ha com a dos vessants polítiques actualment a Còrsega. Hi ha el corrent independentista que surt de la clandestinitat, del que ell forma part, i després el corrent autonomista, que és el corrent més tradicional, però que han anat apropant posicions i llavors han arribat a un acord el 2015. I nous avons gagner les élections, yeah. Ce qui n'est pas rien. Han guanyat les eleccions, van guanyar les eleccions, sí. Alors, dorénavant, la Corse, les institutions de la Corse sont dirigées par les nationalistes, les deux courants du nationalisme désormais unis, le courant autonomiste, le courant indépendantiste. Nous avons un accord de mandature pour 5 ans,
pendant ces 5 ans, donc, nous allons tenter d'opérer un enrichissement, y compris matériel, du peuple corse. Nous allons également négocier avec Paris sur les revendications qui sont les nôtres, à savoir l'officialité de notre langue, la protection du foncier, la libération des prisonniers, l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Nous allons donc, pendant ces 5 ans, nous atteler à ces différents sujets qui sont des sujets d'une grande importance. S'agissant de la question de l'indépendance, ça sera pour nous, indépendantistes, le débat qui sera ouvert après cette mandature. Molt bé, llavors aquestes dos vessants del nacionalisme, els independentistes i els autonomistes, han arribat a un acord de mandat per 5 anys. Llavors, durant aquests 5 anys, tenen com a projecte enriquir materialment el poble corso i negociar en París doncs, els punts que ja ha mencionat abans, que són la llengua, doncs la terra i l'amnistia dels presos. Llavors, pel que fa a la independència, doncs aquest debat serà o tindrà lloc quan passin aquests 5 anys. Et j'en terminerai par ce par quoi j'ai commencé. Je vous disais que vous êtes en avance sur nous et depuis longtemps. Et nous avons beaucoup appris sur un certain nombre de sujets, comme la politique linguistique qui est menée en Catalogne depuis fort longtemps. Ça a beaucoup inspiré la politique de notre majorité aujourd'hui, puisque nous sommes la majorité dorénavant. Nous avons beaucoup travaillé sur tous ces sujets. Vous savez, nous avons été 40 ans dans l'opposition, donc nous avons eu le temps de travailler sur tous ces sujets. Et l'expérience catalane a été précieuse sur pas mal de sujets. Je disais que nous allons donc aujourd'hui, pendant 5 ans, faire tout ce qu'il est possible de faire pour lutter contre le chômage, pour développer économiquement la Corse, pour développer notre langue, pour protéger notre foncier, pour faire libérer nos prisonniers et pour faire amnistie nos prisonniers et nos recherchés. Et puis, le débat d'après, ça sera l'indépendance. Parlez de la Catalogne. En 2006, vous avez voté pour un nouveau statut. À ce moment-là, ce qui était en débat, c'était ce nouveau statut. Et puis, dans les années qui ont suivi, immédiatement, le débat, ça a été l'indépendance. Donc, nous, ce que nous voulons, en tant que courant indépendantiste, c'est qu'après cette mandature, après cette période de 5 ans, eh bien, que nous puissions sereinement discuter de la question de l'indépendance nationale avec nos partenaires autonomistes, et nous ne désespérons pas de les convaincre de devenir indépendantistes. Je sais qu'en Catalogne, il y en a un certain nombre d'autonomistes qui sont devenus indépendantistes, donc tous les espoirs sont permis. Bé, aquí fa, estableix un paral·lel amb Catalunya, diu que com al principi havia dit, doncs és un model que estan seguint. Tant a nivell de política lingüística, per exemple, ells estan seguint els passos o imitant una mica el que s'ha fet a Catalunya, que per ells és una experiència molt, molt valuosa. I torno a repetir que durant aquests 5 anys de pacte que tenen amb els autonomistes, doncs, que intentaran doncs, progressar en el camp de l'atur i desenvolupar doncs, la riquesa, mantenir la terra i tal, i que bueno, també torna a establir aquesta comparació amb Catalunya, diu que el 2006 doncs, es va votar el nou estatut i que a partir de llavors es va començar el debat sobre la independència. Doncs ells pensen fer el mateix, passar aquests 5 anys intentant enriquir el país i a partir d'allà doncs, parlar serenament, és la paraula que ha fet servir, amb els autonomistes i intentar convèncer-los per la independència. I per l'instant, nous sommes dans cette période de 5 ans, alors, qui va nécessiter pour que le contrat de mandature soit mené à son terme, il va falloir aussi que nous confirmions notre succès lors des élections prochaines en décembre, puisque nous allons voter à nouveau en décembre. Il s'agissait d'une demi-mandature, même pas, d'un tiers de mandature en fait, jusqu'à maintenant.
parce que comme nous allons changer de statut au début de l'année prochaine, eh bien, il y aura des élections en décembre. La plupart des observateurs disent que nous avons de bonnes chances d'être confirmés dans nos fonctions, mais ça sera une bataille qu'il nous faudra livrer, une bataille électorale. Bé, encara que parla de 5 anys de mandat, però diu que ara, al mes de desembre, faran unes noves eleccions perquè és com que representa com un terç del mandat, no? Llavors faran unes noves eleccions i que, clar, han de tenir han de guanyar aquestes eleccions perquè a principis de l'any que ve tornen a votar un nou estatut. Voilà, donc, voilà où nous en sommes. Donc, vous avez compris quelles sont nos perspectives. 5 ans pour tout changer en Corse, la manière de faire de la politique, pour changer les institutions, pour demander davantage de pouvoir, pour avoir un statut plus performant, et puis, dans 5 ans, lancer de manière sereine le débat sur l'indépendance. Et l'indépendance, nous savons très bien qu'elle n'aura lieu que si les Corses votent pour l'indépendance. Et donc, pour que les Corses votent pour l'indépendance, il faut qu'ils sachent aussi qu'il soit assuré d'une certaine stabilité sur le plan matériel. Nous savons comme les questions économiques ont été importantes en Catalogne et dans les autres pays qui sont dans la même situation, je pense à l'Écosse, la question économique est importante. Donc il nous faudra, pendant ces 5 ans déjà, donner la possibilité aux Corses de voter librement sans avoir cette hypothèque de l'avenir sur le plan économique et matériel. Molt bé, clar, diu que l'èxit del seu projecte està supeditat al desenvolupament econòmic, ja que perquè els corsos puguin votar la independència han d'estar segurs de que poden funcionar per ells mateixos. Llavors, primer, durant aquests 5 anys, el que volen és fortir aquest sistema econòmic del país. Voilà, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que la victoire, elle est à chaque pas du chemin. Hein. Nous avons déjà remporté de nombreuses victoires, d'abord parce que nous n'avons pas disparu comme peuple alors que nous étions voués à une disparition certaine. Et nous avons fait en sorte d'être encore aujourd'hui sur notre terre, avec notre langue, avec notre culture, avec toutes les spécificités qui sont les nôtres et qui font de nous un petit peuple qui n'est pas mieux qu'un autre, mais qui n'est pas pire qu'un autre, et qui est un peuple au sens fort du terme. Nous existons toujours, et ça c'est une victoire. Nous avons effectivement réussi à convaincre les Corses, dans leur majorité, que nous devions prendre la direction des opérations sur le plan politique, et nous avons eu une victoire électorale. Ce n'est pas le bout du chemin. Il y a maintenant une période qui s'ouvre, qui va être déterminante, et puis il y aura le débat sur l'indépendance. Mais encore une fois, comme on voit rarement des fleuves remonter à leur source, nous sommes persuadés que les Corses qui ont fait le choix de l'émancipation, qui ont commencé à aller dans le sens de leur liberté, ne reviendront pas en arrière. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus aujourd'hui que le temps travaille pour nous. Le temps ne travaillait pas pour nous jusqu'en décembre 2015. Mais aujourd'hui, avec la décision qu'ont pris les Corses d'avancer dans le sens de leur souveraineté nationale, nous savons que le temps travaille pour nous. Et nous savons que, tôt ou tard, la Corse, nation, sera également une nation indépendante. Et je vous remercie. Bé, ha dit una frase que és molt maca, diu que la victòria està en cada pas del camí i que si ja han arribat fins aquí i han convençut els corsos de que és, doncs és la via, no? Perquè aquest poble continuï o sobrevisqui a totes les amenaces que té. També fa una comparació, diu que són com un riu que ja ha agafat el seu camí i no hi ha marxa enrere. I esperen poder convèncer a tots els corsos de que ha de ser així.
i que abans o després, doncs, Còrsega serà una nació independent. Bé, merci, merci, esplèndid. Cecília, moltes gràcies també, molt, molt bona traducció, moltes gràcies. Bé, voldríem obrir un torn de paraula. Si algú li agradaria fer alguna pregunta d'algun paral·lelisme, lo millor, mira, ja tenim una, dues, tres, quatre, cinc, ui, micro, micròfon. Molt bé, vinga, aneu, som-hi. Ha començat el Javi, aquí davant, la primera que s'ha aixecat. No, perquè no ho he vist. No? Vinga, som-hi. Moltes gràcies. El primer, senyor Talamoni, benvingut a Tarragona. Soc regidor de l'Ajuntament i doncs, tinc el plaer de donar-li la benvinguda. Estem molt contents que estigui aquí. Ha estat una exposició brillant. A mi m'agradaria fer una observació i fer una pregunta. L'observació que faig, i és per si vostè la vol corregir, és que jo tinc la impressió que el seu país i el meu han tingut històries bastant paral·leles, bastant, amb moltes similituds, però vostès han patit la imposició d'una administració francesa eficaç i implacable. I nosaltres hem patit la imposició d'una administració espanyola desastrosa i corrompuda. És... I això... Sento dir que en part és un desavantatge per vostès, perquè ens entenguem, França ha sigut una trituradora de nacions i de llengües molt més eficaç del que ho ha estat Espanya, que Déu-n'hi-do també. Poso un exemple, el monopoli de l'educació legítima. França, molt abans que Espanya, va assumir l'educació pública com una manera de formar ciutadans francesos. En canvi, a Espanya, l'educació pública i que arribés a tothom no va arribar fins fa relativament poc, com un exemple d'uns quants. Per tant, aquesta és l'observació. I ara faig la pregunta, aprofitant que està vostè aquí i que vostè... Ai, que ho estic fent molt llarg, no? Escurço. Aprofitant que està aquí i que vostè els coneix millor que nosaltres, òbviament, vostè creu... O com podem fer que França, l'estat francès, percebi la República Catalana més com una oportunitat que com una amenaça? Com podem fer perquè des dels seus interessos no vegin en la nostra independència un perill per als seus interessos? I al mateix temps, vostè creu que França acabarà reconeixent la República Catalana i la República de Còrsega? Oui, je vais résumer un peu parce que il s'est présenté comme un élu municipal et il établit aussi le même parallélisme que vous en tant que dans la République ou l'indépendantisme catalan et corse. Mais il dit que la Corse a été dans elle a subi des impositions administratives d'un pays, mais des impositions efficaces, tandis que la Catalogne a subi des impositions chaotiques. Oui. Ouais. Bien. Bueno, d'accord. Il a aussi parlé, il est plus content du monopole, par exemple, en éducation française, que celui de l'Espagne. Il dit qu'en France, on a formé des personnes, en Espagne, cela est arrivé trop, trop tard. Oui, l'éducation publique. Oui. Et j'imagine qu'il pensait aux analphabètes, bon, tout ça. Et la question, c'est que pensez-vous que la France peut entendre la Catalogne ou la République catalane en tant qu'opportunité et pas comme une menace? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est pensez-vous que la France reconnaîtra un jour la République catalane et la République corse? Bon, sur le premier développement que vous avez formulé, on pourrait se poser une question. Lorsqu'on a un ennemi déterminé,
à vous faire disparaître, est-ce qu'il vaut mieux avoir affaire à un ennemi efficace dans son action ou bien un ennemi qui a une action chaotique? Bon, c'est vrai que la France a été très efficace dans son action de destruction de notre culture et de notre langue, et je pense que même si l'administration française de l'éducation nationale peut avoir eu aussi à un moment donné un effet positif sur des populations en France et en Corse, en termes de progression de formation, bien sûr, mais cela s'est fait quand même dans la plupart des pays européens, plus ou moins bien, sans nécessairement détruire les cultures autochtones. On voit des pays d'Europe où ça ne s'est pas produit comme en France ou comme dans l'ensemble contrôlé par l'Espagne. Donc on pourrait très bien concevoir, on aurait pu très bien concevoir une action de formation, ce qui s'est passé de partout dans le monde, et pas seulement d'ailleurs en Europe, presque en tout cas, une action efficace de formation sans une destruction des cultures autochtones. Et nous avons eu, c'est vrai, une administration extrêmement efficace. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, elle est toujours relativement efficace pour détruire les cultures. En revanche, elle n'est plus efficace pour former les gens. D'ailleurs, regardez le classement de la France, le classement les études PISA de l'OCDE. Vous vous rendez compte que la France est extrêmement mal classée. Donc aujourd'hui, alors cette administration de l'éducation nationale française, elle a véritablement plus que des inconvénients, surtout pour des peuples comme le nôtre. Bon, c'était juste un début de réponse à votre interrogation. Non, je crois que s'agissant de la façon dont la France peut voir les revendications indépendantistes catalanes, je pense qu'elle ne les voit pas avec beaucoup de sympathie. Hein ? Voilà. Je pense qu'elle ne les voit pas avec beaucoup de sympathie parce qu'elle se sent elle-même menacée indirectement. Je crois que, voilà, bien sûr, il est tout à fait évident que si demain la Catalogne, si après-demain l'Écosse, bon, il est tout à fait évident que dans l'ensemble contrôlé par la France, il y a la Corse, il y a aussi le Pays Basque, il y a un certain nombre aussi de régions françaises qui n'ont pas forcément de revendications fortes sur le plan politique, mais qui ont des revendications fortes sur le plan culturel et linguistique. Hein, je pense notamment à l'Alsace ou à la Bretagne. Donc les Parisiens voient ça avec beaucoup d'inquiétude. Donc je ne pense pas que pour l'instant, ils soient bien disposés à l'égard des Catalans. Je ne le crois pas, je ne le crois pas. S'agissant de la reconnaissance par la France de la République catalane et de la République corse, bah écoutez, évidemment que dans un avenir plus ou moins lointain, cette perspective devra se réaliser. Après tout, bon, la France a bien reconnu un certain nombre de ses anciennes colonies comme États indépendants. Donc cela se fera sans doute si nous gagnons. Mais enfin, je pense qu'il ne faut pas attendre que les Français se précipitent pour être les premiers à reconnaître la Catalogne indépendante. Hein. Ho has entès? No? La traducció. Sí, molt bé. El senyor Talamoñi diu que realment França ha sigut molt eficaç en destruir la cultura corsa. Vull dir que això ha sigut real, molt eficaç, i que hagués pogut fer com altres països europeus que han format persones sense destruir els valors autòctons. Pel que fa a dir que actualment ja no té aquesta eficàcia per formar persones, i ha fet referència a l'informe PISA on surt no, el rànquing de països de resultats educatius, i diu que la França no estava ben posicionada, i que diu que finalment que França no veuria amb molta simpatia, no reconeixeria amb simpatia les repúbliques ni la corsa ni la catalana, que segurament ho haurà de fer si els pobles no voten que sigui així, com ho va fer amb les colònies que va tenir, però que no serà per demà.
Sí, bé, bona nit, benvingut i ànims. Aquí. Jo dues preguntes tinc. Una és el coneixement i l'ús habitual del cors dintre de la ciutadania en el territori, si és molt profund o és poc, i l'altra és el tema de balances fiscals envers París. Il a deux questions. La première, c'est sur dans la maîtrise de la langue corse par les Corses. Et l'autre, ce sont les balances fiscales. Financières. Financières, oui. D'accord. Bien, sur la question de la langue, de la maîtrise de la langue corse par les Corses, alors c'est très très difficile aujourd'hui de donner des chiffres dans la mesure où il y a une partie très importante de la population vivant en Corse aujourd'hui qui ne fait pas partie du peuple corse comme communauté de destin. Donc nous avons une conception très ouverte du peuple corse, comme d'ailleurs le peuple catalan. C'est pas du tout une position raciale. Bon, c'est ce qu'on appelle une communauté de destin composée de Corses d'origine et de Corses d'adoption. Mais cela suppose une volonté de participer à la communauté de destin de la part de ceux qui sont adoptés. Il y a ceux qui ne sont pas du tout adoptés, qui n'ont pas du tout envie d'être adoptés et qui sont en Corse pour quelques années pour leur carrière. Ceux-là ne font pas partie du peuple corse, mais ils votent et ils sont également concernés par les enquêtes, par les sondages et par les différentes enquêtes qui sont menées. Donc la proportion de Corses, donc communauté de destin qui parle le corse, c'est très très difficile, c'est très difficile aujourd'hui de donner un chiffre, sincèrement, parce qu'il y a trop de différences entre les types de population. La population qui a vocation à rester en Corse, c'est la population qui s'en ira demain, hein, voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que la prise de conscience aujourd'hui, elle est totale, alors qu'elle était quasiment nulle il y a 40 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les élus d'ailleurs, mais les élus suivent la société, tout le monde considère en Corse que c'est très important de maintenir la culture corse et de développer la langue corse. Donc la prise de conscience, elle est totale. S'agissant des pratiques, on en vient au cœur de votre question, s'agissant des pratiques langagières, la tendance est toujours au déclin. Sans donner de chiffres, parce que c'est très difficile, mais ce que nous savons, c'est que la tendance est toujours au déclin, parce que nous n'avons pas encore obtenu ce dont nous avons besoin pour inverser cette tendance, à savoir le statut d'officialité dont vous disposez en Catalogne. Un statut d'officialité. Nous, il a été prouvé par des études scientifiques que, à défaut d'un statut juridique d'officialité, nous ne pourrons pas inverser la tendance. Donc la langue corse est encore présente, elle est parlée. Il y a des locuteurs naturels, évidemment, en particulier en milieu rural, il y en a beaucoup. Mais nous sommes toujours dans une phase de déclin. Et si nous voulons inverser cette tendance, il nous faut le statut d'officialité. C'est la raison pour laquelle les négociations avec Paris, dans les mois à venir, sur cette question, vont être très importantes. Ça, c'est pour répondre à votre question sur la langue. S'agissant de la question sur les flux financiers, aujourd'hui, les flux financiers sont, je dirais, encore déséquilibrés parce que l'économie de la Corse a été réduite à néant par les politiques qui ont été menées en Corse. Par exemple, il faut savoir que pendant 100 ans, pendant une centaine d'années, on a appliqué à la Corse une loi douanière qui consistait à détaxer toutes les importations et à taxer toutes les exportations. C'était plus défavorable encore que le système colonial que la France appliquait à ses colonies officielles à l'époque. Donc ça a été... Aujourd'hui, on n'a toujours pas redressé la barre en matière économique et c'est ce que nous nous efforçons de faire au prix de maintes difficultés. Donc les flux financiers aujourd'hui sont en défaveur de la Corse, à la différence de ce qui existe en Catalogne, on le sait. Donc c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que dans la phase de 5 ans, qui est aujourd'hui ouverte, il faut que nous enrichissions la Corse matériellement pour rassurer les Corses
sur leur stabilité matérielle. Et ce que je peux dire, c'est que la Corse est un pays béni des dieux qui dispose de potentialités énormes. Que la Corse est riche de potentialités, mais ces potentialités ne sont pas encore réalisées. Donc la période qui s'ouvre, la période transitoire, doit nous permettre véritablement d'équilibrer les flux financiers et de faire en sorte que les Corses soient parfaitement rassurés à cet égard. J'ai essayé de répondre à ces deux questions. Pel que fa a la llengua, diu que és molt difícil donar xifres, que no ha donat cap xifra. Diu que hi ha molta gent que viu a Còrsega que no tenen intenció de quedar-se. És una mica com el que passa a Catalunya. Ell parla de la població autòctona i població que ha estat adoptada, doncs com aquí, no? Hi ha adoptats que s'integren, doncs, parlen la llengua, i d'altres que no. Llavors, no pot dir cap xifra. El que diu que és molt important que hi ha hagut una presa de consciència, també ho ha dit abans. Sí, i diu que, clar, el que diferencia la llengua, diguéssim, el català, és que no tenen un estatut d'oficialitat i que llavors la tendència és a la baixa, a que a cada vegada, doncs, es parli menys el corso, no? Doncs, sobretot es fa servir en el camp, no? O, als pobles, sí, i que és un dels punts més importants que tenen ara, doncs, damunt la taula a negociar amb París. Sí. Pel que fa el parlar del flux econòmic, sí, també diu que és desfavorable. Està molt desequilibrat perquè diu que l'economia va estar reduïda a la nada. Llavors, diu que van passar 100 anys amb una llei de aduanes, que tots els productes que entraven i que sortien tenien una taxa. Llavors, això, doncs, ha fet que l'economia n'hagi patit. I bé, ell està esperançat perquè diu que Còrsega és un país que està beneït per Déu, que té un gran potencial econòmic i que és el projecte d'aquests 5 anys és, doncs, donar aquest reflux a l'economia. Dues preguntes per valorar la figura del nou president Macron. La primera és, tinc aquí el seu programa electoral i no hi ha ni una paraula sobre Còrsega. Per què? I la segona pregunta és si Macron d'alguna manera ajudarà a Còrsega a tenir un referèndum d'independència. I finalment volia fer-li un prec abans d'anar-se'n, si pot dir algunes paraules en llengua corsa perquè la sentim. Ben, il dit que Macron, dans son programme électoral, ne fait aucune référence à la Corse. Et le référendum, pardon. Pourquoi il ne fait pas? Si vous considérez que Macron sera pour aider à ce que le référendum se réalise en Corse. Et finalement, si vous pouvez dire quelques mots en Corse pour, pour qu'on voit comment ça sonne. Pour tout vous dire, c'était aussi mon intention, parce que je me suis dit quand même quelques mots, mais tu as dit, quantunque esta questa lingua, di una lingua viva, et donc tu as parlé là, et tu as frasente, anco a quelli qui campano lontano da noi, ma che si interessano a un nostro piccolo paese. Dunque, volevo parlare a corso davanti a voi per sentire la musica, per far sentire la musica della lingua. Allora, nous en revenons à un sujet moins réjouissant. Le président de la République française, qui va être installé dans quelques heures, puisqu'il n'est pas encore en fonction, mais
ça devrait maintenant aller très vite. Je l'ai rencontré comme candidat il y a un mois. Nous avons discuté, enfin, disons que j'ai exprimé simplement un certain nombre de revendications qui d'ailleurs sont difficilement contestables sur le plan démocratique, puisque je lui ai demandé simplement d'appliquer les décisions de l'Assemblée de Corse. Une Assemblée qui a été élue selon la règle du jeu fixée par Paris, parce que c'est quand même la loi française qui a déterminé le système électoral de l'Assemblée de Corse. Donc il y a une Assemblée de Corse élue par la règle du jeu de Paris, qui a voté en toute liberté et en toute démocratie un certain nombre de choses sur notre langue, sur notre foncier, sur les prisonniers. Et donc je lui ai demandé de faire en sorte que la démocratie soit respectée. Diu que es van trobar fa un mes i que li va fer unes reivindicacions que no podia, Macron no podria refusar, perquè era aplicar la decisió de l'Assemblea corsa, que en realitat és la decisió del poble cors, no? I que havia estat votada pel poble cors seguint les regles del joc que havien imposat a París, és a dir, que és totalment legítim que respecti la voluntat de l'Assemblea. Donc, je n'ai eu aucune réponse. Bon, il était très courtois, très courtois, très sympathique, très souriant, comme à la télévision, n'est-ce pas? C'était un homme sympathique, mais cela ne m'a pas totalement rassuré, voyez-vous, parce que je n'ai eu aucune réponse. Mais ce qui m'a quand même un peu consolé, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'avait donné non plus aucune réponse à aucune autre question pendant la campagne électorale. Donc finalement, la Corse, elle a été traitée comme tous les autres sujets. Me diu que la seva actitud era molt amable, va estar molt simpàtic, però que no li va donar cap resposta. De fet, que no es preocupa massa perquè no va donar cap resposta a cap pregunta o cap demanda que li van fer durant la campanya. Vull dir que no és només per la qüestió corsa. Donc, Je pense que il va y avoir maintenant l'installation du président de la République française, il va y avoir les élections législatives, donc les députés, c'est très important, et je pense que jusque-là, il ne dira rien sur rien. Il ne dira rien. En revanche, une fois que les élections législatives seront passées, et une fois que le gouvernement définitif, enfin définitif en tout cas pour une période raisonnable, sera désigné, à ce moment-là, il pourra, s'il le désire, mais c'est un grand mystère, il pourra, sans prendre de risques, donner des réponses à des questions et s'engager dans des voies plutôt que dans d'autres voies. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous allons découvrir ce qu'il veut faire, ce qu'il a dans la tête. Ça peut être mieux que ce que nous avons connu. Ça peut être aussi mauvais que ce que nous avons connu. Ça pourrait même être pire, mais enfin, nous ne voulons pas envisager cette hypothèse. Bé, diu que fins que no siguin, no es celebrin les eleccions legislatives i estigui el govern format definitivament, que segurament no dirà res. En aquell moment, quan ja tinguin els diputats, doncs ja podrà donar les respostes que ell vulgui i comprometre's en el sentit que ell vulgui. Llavors, que no sap ben bé, podrà fer millor del que s'ha fet fins ara, igual o pitjor, que espera que no. Voilà, simplement, on a bien compris quelle était la tactique électorale donc, du président de la République française, du nouveau président de la République française. Sa tactique électorale, ça a été de ne donner quasiment aucune orientation politique, de façon à pouvoir être à la fois au soutien de la droite, au soutien de la gauche, représentant des uns et représentant des autres. Je pense qu'un certain nombre d'électeurs l'ont soutenu sur un malentendu, mais je ne sais pas encore lesquels. Et personne ne le sait. Donc, en fait, je crois que le véritable président Macron sera obligé de se révéler dans les semaines qui viennent. Et encore une fois, compte tenu des adversaires qu'il avait, et notamment de la finaliste Marine Le Pen, bon,
finalement, les choses auraient pu être à cette heure-ci encore pires, parce que si nous ne savons pas ce que veut faire Macron, en revanche, ce que voulait faire Marine Le Pen, nous le savons. Diu que ha sigut la seva la tàctica electoral de Macron és en realitat no orientar-se ni cap a la dreta ni cap a l'esquerra, sinó esperar a veure què li demanaven, no? I llavors que una gran part de l'electorat l'ha votat basats en un malentès que no se sap encara quin és, però tot i així s'haurà de manifestar, no? en les setmanes o en el temps que vindrà, i que tenint en compte l'alternativa de Marine Le Pen, doncs que més val que hagi quedat Macron com a president que no. Voilà. Donc simplement, nous allons évidemment demander à rencontrer les membres du gouvernement très rapidement lorsqu'ils seront désignés, de façon à faire valoir les revendications qui sont les nôtres. Nous voulons vraiment engager le dialogue parce que nous avons besoin effectivement d'avancer dans les négociations avec Paris. Donc pour l'instant, nous sommes évidemment dans l'incertitude, mais en revanche, nous savons bien ce que nous allons dire et ce que nous allons revendiquer. Bé, diu que el que sí que és clar és que ells, en quan tan aviat com puguin, doncs demanaran a trobar-se amb el nou govern per fer les seves reivindicacions i que ells sí que saben exactament el que demanaran. Bé, fent la darrera pregunta, ja. Sí. Aniré ràpid. Merci beaucoup, monsieur Talamoni. Llavors, em sembla admirable aquests dos trets, no sé si dir-li del caràcter o de la psicologia nacional del poble cors, l'agitació i potser encara més la resistència, tenint en compte el nombre, perdó per la veu, el nombre, el poc nombre d'habitants que té la nació corsa. I dues preguntes molt concretes. Quin és el percentatge en l'actualitat, actualment, entre autonomistes i independentistes? Segona qüestió, quina relació, la que es pugui dir, tenen amb el govern de la Generalitat en l'actualitat? Bé, ell diu que és admirable ces deux traits différentiels du peuple corse que vous avez dit, c'était agitation et résistance. Oui, compte tenu le peu d'habitants que vous êtes. Donc, la question c'est quel est le pourcentage d'autonomistes et d'indépendantistes dans l'Assemblée et quelle est la relation de l'Assemblée avec la Generalitat de Catalogne. Alors, donc nous avons la majorité relative et non pas absolue. Nous avons manqué la majorité absolue pour peu de voix, puisque nous avons donc notre majorité donc à 24 sièges sur 51. Donc en théorie et arithmétiquement, nous pouvons être mis en minorité par l'opposition à tout moment. Mais à condition, bien entendu, qu'il fasse l'union depuis le Parti communiste jusqu'au Front national de Madame Le Pen. Ce qui est quand même difficile politiquement. Et donc, depuis un an et demi, ils ne l'ont pas fait. Diu que tenen una majoria relativa, són 51 diputats i tenen 24. Llavors que sempre estan una mica depenent del que els altres votin, però que seria molt difícil que es posessin d'acord perquè, clar, és tot el, no, tot l'espectre des dels comunistes fins als nacionals, l'epeniste. Donc c'est la raison pour laquelle pour l'instant nous avons pu travailler, faire passer notre budget et également faire voter pour toutes les orientations qui étaient les nôtres, hein. Donc nous avons beaucoup travaillé sur des sujets qui sont parfois très politiques, parfois plus techniques, mais pour l'instant nous avons fait progresser quand même beaucoup, nous le pensons, les affaires de la Corse et notamment sur une autre manière de faire de la politique. Molt bé, que fins ara, doncs, gràcies a això, han pogut votar favorablement a totes les propostes que ells han posat sobre la taula. Perdó?
Ah, la segona. Oui, c'était la relation entre l'Assemblée Corse et la Généralitat. Alors, notre majorité, la majorité de l'Assemblée de Corse, donc autonomiste et indépendantiste, mais majorité unie, hein, donc il n'y a pas du tout de nuance particulièrement sur la question catalane. Notre majorité soutient le gouvernement catalan, soutient la marche des Catalans vers l'indépendance et elle soutient la Catalogne sans la moindre hésitation, qu'il s'agisse du président du Conseil exécutif et des membres du Conseil exécutif, qu'il s'agisse du président de l'Assemblée et des membres de la majorité, hein, je ne parle évidemment pas pour les membres de l'opposition, mais je parle pour les membres de la majorité, nous soutenons. D'ailleurs, nous avons, s'agissant du courant autonomiste, nous avons des relations très anciennes avec le mouvement indépendantiste catalan, mais je dois dire que ce soutien n'est pas seulement le soutien des indépendantistes qui siègent aujourd'hui dans la majorité, mais ce soutien est celui de l'ensemble de la majorité des institutions de la Corse. Bé, diu que ells recolzen completament el govern català i el projecte de la independència, que tenen relacions des de relacions molt antigues amb ells. I bé, bé. Bé. Bé, abans d'acomiadar l'acte, només dir-vos que existeix l'Associació d'Amics Catalunya Còrsega, que està vigent i que la podeu buscar per internet si voleu i trobareu tota la informació. També dir-vos de la importància del senyor Talamoni, que avui està rebut pel nostre Parlament, per la nostra presidenta del Parlament, per el Carme Forcadell, que l'ha rebut aquesta tarda. També està rebut per el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel senyor Òscar Peris, i bueno, aquest és el motiu que hi ha vingut 10 minuts tard. En qualsevol cas, la Rosa Maria ara acomiadarà l'acte. Moltes gràcies a tots i gràcies al senyor Talamoni també. Merci, merci vraiment du fond du cœur. A ringraziare a tutte e a tutti, a ringraziare veramente di cuore. Bé, fem cloenda, doncs, de l'acte. Moltes gràcies a tothom per haver assistit. Moltíssimes gràcies als amics del poble cors i al poble català, que els tenim aquí, que han vingut i que els vull dir, són aquí davant, tots tres, que l'han acompanyat, que tenen una relació molt estreta amb aquest agermanament de fa molt de temps, i que els llaços són molt profuns. Per tant, han volgut acompanyar-lo a Tarragona. Nosaltres us ho agraïm. Moltes gràcies, Jordi i companyia. Estem molt contents. I nosaltres, evidentment, satisfets. Satisfets d'haver tingut entre nosaltres el senyor Talamoni. Merci, monsieur. Nous sommes très contents. Je vous remercie beaucoup parce que pour nous, vous voyez, c'est très intéressant. Il y avait un public qui l'était pendant de vous tout le temps que vous avez parlé. C'est pour ça que c'est très intéressant. Dic que hi ha hagut un públic molt atent, que és veritat, molt interessat, tot i no entendre, però ho hem d'agrair molt a la Cecília, que ens ho ha facilitat. Un aplaudiment. Gràcies, Cecília. Gràcies. I nosaltres ens felicitem perquè doncs, fem aquest cicle de conferències, parlen els pobles, i tancarà el dia 23 la vicepresidenta del nostre govern, la senyora Neus Munté. La tenim ja, tenim concertat, ja tot tancat, i aquesta vegada ho farem a l'aula magna de la URB, en la qual esperem que hi siguin. Desitgem, com dèiem a la presentació, que el poble cors i el poble català avancem plegats cap a la llibertat de la nostra gent. Per tant, amb aquesta esperança, moltíssimes gràcies i a continuar treballant perquè no hem acabat. I com sempre, tenim un record per nosaltres oferir al senyor Talamoni i també a la nostra traductora. Moltíssimes gràcies, Cecília. Oh.
Ferran.